Ah oui, tu peux chanter pendant ce temps-là. Donc là, c'est le personnage de Nathalie. Caméra, caméra, dans la ville de l'au-delà, je me demande ce qu'il y a derrière la fenêtre. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi là-bas? Pieds nus sur le sable blanc. J'irai dimanche à la Saint-Jean regarder les gens. Les gens sont beaux, les gens sont laids. Qu'est-ce que ça fait de beau? Je préférais quand tu avais ton beau maillot. Que tu puisses tenir d'une seule main et qu'on voit ton œil. Alors là, tu m'en demandes beaucoup pour une femme qui a des troubles moteurs. Tu me vois? Non, pas encore, non. T'es derrière là? Ouais. Ah oui, si, c'est ton œil, oui, effectivement. Oui. Tu veux que j'enlève la lunette, peut-être? Non, non, c'est pas gênant. On voit bien ton œil. Tu te souviens de ce que tu as écrit? Pas très bien, à vrai dire. Ouais. Même, je dirais que pas du Ouais. tout. Je crois que j'ai parlé des chats à un moment donné. J'ai parlé de la peur comme émotion. Voilà. Oui, t'avais donc là, ça c'était pour 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 l'émotion. l'émotion. Et ça c'était pour la réflexion. Et les dessins que t'as fait, alors c'était quoi? C'est j'hésite au carrefour, etc. Plongée ou pas? Sens interdit? Ouais, Le c'était. sable, les vagues? Ouais, c'était. C'est des situations et des sensations, non? C'est Oui, des... c'est un état émotionnel justement d'hésitation, avec une envie de plonger, un dédoublement, peut-être. Il y a un petit arbre qui a envie de plonger et l'autre pas. Et à gauche, on a des fonds sous-marins. Oui, alors c'est plus scientifique ça. C'est une ex-carte à Jean-Yves Cousteau. D'accord, ouais. Et donc, c'est une façon d'aborder la mer. Beaucoup plus Donc, scientifique. c'est un dispositif avec lequel tu pourrais te promener dans la rue et Ouais. aller vers les autres avec ça, et puis à un moment donné, tu ouvrais ta fenêtre. Avec plaisir. Mais voilà. Voilà. Et là, tu es complètement recontextualisé. C'est-à-dire, tu n'apparais pas du tout de la même façon. Du coup, on perd tes pensées intérieures. Bon, elles sont plus lisibles. Même moi, je les perds. Hein. Et on voit ta tête dans une perspective avec des signes et des formes et des écritures autour, quoi. Donc effectivement, ça, tu pourrais interagir avec ça, quoi. C'est-à-dire, je me promène dans cet espace mental. J'exprime ce qu'il y a Oui, dans pied. c'est ça. Enfin, tu es donné à comprendre autrement, quoi, finalement. Le Parce que si on pelouse. voyait que ton visage, on n'aurait pas du tout la même impression, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait comme impression? Bah vas-y, enlève-le, qu'on voit que ton visage. Vas-y, parle comme tu as l'habitude de parler. Alors d'habitude, je parle comme ça. Ouais. Je dis. Ça t'arrive de raconter une histoire, par exemple. Ah ben bien sûr. Tu racontes une histoire sur quoi? Alors, je raconte sur une histoire sur quelqu'un dont on m'a parlé la veille, par exemple. Ouais. Cette personne, je l'ai connue, elle est morte l'année dernière. Là, si je D'accord. parle, j'en ai pour 1 heure. Hein. C'est une Remets-toi vitesse derrière de ta extraordinaire. fenêtre pour voir. Et c'est la même histoire que tu rencontrais en étant derrière ta fenêtre? Oui, je trouve que ça peut être la même histoire, mais en se sentant
Moins dans la séduction, c'est agréable cette fenêtre-là. C'est une fenêtre Parce que quelqu'un qui te voit avec ta fenêtre, où... il a déjà des informations. Et toi, tu as le souvenir de ces informations, si tu veux. J'aimerais bien Donc, être ta libre. personne peut te parler de tes informations, te dire qu'est-ce que c'est que la cible, et tu réponds, j'ai mis une cible parce que c'était la personne qui est morte, je ne sais pas moi, ou la personne qui est au fond de la mer, ou la personne qui est... Après, tu peux... Le problème, c'est que Tu es libre à toi d'enlever ta fenêtre ou de la remettre quand tu veux, hein, D'accord. finalement, quoi. Tu peux même la refermer, remettre que ton œil, enfin, c'est... Tu peux jouer, quoi, Est-ce que je peux l'enlever et regarder ce que j'ai écrit parce que je m'en souviens Ah, bah, plus. bien sûr, oui. Qu'est-ce que j'avais dans... Ah, bonjour Sophie, comment ça va? Comment ça roule depuis Perpignan, je te disais. Ah oui, il y avait... Ah, mais il n'y avait que ça. Je croyais qu'il y avait... Ah, mais si, c'est là où il y avait plein de choses. Ok. Ah, ben, je sais ce que je peux faire aussi. Oui, ça t'a donné une Regarder. idée? Oui, ça m'a donné l'idée de faire ça. Ah oui. Ce qui fait que je saurais... J'aurai de la matière. Bon. Mais je ne vais pas finalement, si. Non, mais c'est bon, j'ai révisé. Voilà.